ministre de l'élevage et des productions animales qui est là avec nous pour vous parler de ce qui est fait dans ce secteur, enfin, de lutter contre la pauvreté et d'avoir un développement harmonieux. Monsieur le ministre, selon les nouvelles orientations politiques, le secteur de l'élevage reste un secteur de croissance. Alors, quelle est sa contribution dans le développement socio-économique du pays? Donc, merci beaucoup de nous donner l'occasion de présenter un peu notre ministère de l'élevage et de production animale. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un secteur très important et puis depuis toujours, on dit que c'est l'une des mamelles économiques du pays. Et donc, nous avons un cheptel très important. En 2022, les estimations ont donné que nous avons 146 830 983 têtes de bétail, toutes espèces confondues. Okay. Et donc, c'est très important pour notre pays. Et donc, les contributions, selon les statistiques, toujours, nous avons... L'élevage contribue à 37% du PIB agricole et puis entre 14 et 20% du PIB national. Et donc l'élevage assure aussi la subsistance de presque 40% de la population tchadienne. Donc vous le savez tous parce qu'il y a une grande partie de la population, qui pratique l'élevage et puis qui se nourrit aussi de l'élevage, que ce soit la viande et le lait, ainsi de suite. Et donc, même dans l'exportation, de l'exportation du pays, l'élevage occupe presque 30 à 50% des exportations. Par exemple, pour le moment, les exportations sont des exportations de bétail sur pied. Sur pied. Donc ça, c'est la contribution de l'élevage dans notre pays. Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui, les regards sont tournés vers deux secteurs. Est-ce que... il y a des types d'élevage ou bien c'est l'élevage d'une manière générale? Parce qu'on parle surtout l'élevage sentimental, l'élevage aussi de proximité, tout ça. Oui, c'est ça, l'élevage. Celui qui existe, il est le même. Hein, sentimental, comme vous le dites, et puis de proximité, et puis celui du transhumant. Il faut essayer de sensibiliser les gens pour un changement de mentalité ou bien d'élevage, par exemple. Il faut quand même... intensifier l'élevage, parce que tel que c'est parti, si on peut intensifier, ça serait une bonne chose. Nous, on veut aller vers l'intensification, comme ça, les gens vont avoir leurs zones de stationnement et autres qui vont séjourner pendant beaucoup de temps pour éviter un peu certains problèmes. Et donc ça nécessite une grande sensibilisation pour ça. Et nous sommes en train de réfléchir sur ça, parce que on sait que si, par exemple, les animaux se déplacent, c'est à la recherche de deux choses seulement, de l'eau et du pâturage. Il n'y a pas autre chose. Okay. Mais si, par exemple, il y a la disponibilité d'eau et de pâturage, je pense que les gens n'ont pas besoin de se déplacer dans des kilomètres, ainsi de suite, d'aller du nord vers le sud, ainsi de prendre beaucoup de temps. Ça, ils ne vont pas le faire. Okay. Mais nous sommes en train de réfléchir sur ça. C'est ce qu'il faut aller faire pour que notre élevage va être intensifié. Alors, Monsieur le ministre, en donnant déjà la statistique tout à l'heure, on constate comme si on arrive à un surpeuplement déjà des animaux. Et vous avez parlé encore d'intensifier. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas tellement de conflits autour de ces activités-là? Non, si on va vers l'intensification, c'est pour, par exemple, pallier aussi à ces problèmes-là, de conflits ou autres. Si, par exemple, ils ont leur zone qu'ils ont là, c'est qu'on sait que ça, c'est la zone d'élevage et puis il n'y aura pas de problème. Mais maintenant... comme ils sont seulement en train de faire la transhumance, d'aller vers le nord et le sud, et puis il y a les couloirs qui sont là, mais par exemple, parfois, les gens ne respectent pas le couloir et autres. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de conflits. Mais vu le nombre, il est là, 146 millions, d'accord, mais quand même, ça c'est l'ancien recensement. Moi, par exemple, je suis en train de chercher à faire un autre recensement pour voir exactement quel est le nombre de cheptels. Okay. Parce que dans mon entendement, lorsque je tourne, j'ai fait toutes les tournées, parce que moi j'ai fait presque tous les pays, hein. Je n'ai pas pu faire seulement le Tibesti, mais quand même, moi, il se trouve que peut-être que le cheptel, il est plus important que ça. Okay. Moi, ça dépasse les 146. Oui, ça dépasse même. Mais quand on parle de production, c'est pour toujours augmenter. Mais si on peut augmenter, c'est une bonne chose. Mais quand même, de l'autre côté, il faut chercher la solution. Comme vous l'avez dit, il y a un problème de démographie qui est là. Oui. On va essayer de travailler dans ce sens-là pour trouver des solutions. Et c'est possible, en tout cas.
Alors, nous sommes face à une situation qui nécessite peut-être rapidement des actions concrètes, des orientations. Par exemple, la modernisation du secteur. Oui. Est-ce que c'est déjà inscrit dans vos programmes? Parce que le Tchad, c'est un pays d'élevage, tout le monde le sait. Oui. Mais aujourd'hui, le lait vient d'ailleurs, par exemple. Prenons le cas de lait, par exemple. On paye lait très cher pour les enfants. Pourtant, nous avons l'élevage. Vous avez touché un problème très sensible. Hein. En tout cas, avant qu'on ne vienne... au ministère, le ministère a fait, par exemple, par le canal du Padiat, qui est chargé d'industrialiser un peu le secteur de l'élevage, il y a eu un travail qui est fait. Et donc, il y a trois complexes qui sont lancés au même moment, presque. Celui de Mundu, qui est fini, et puis ça fait presque plus de trois ans. Et il y a celui de Djarmaya, qui est là, c'est-à-dire que c'est l'abattoir de Djarmaya, qui est aussi là. Et nous avons le complexe laitier de Mandalia. Qui aussi. Mais ils ont commencé il y a longtemps, mais quand même, ça a pris du temps parce que faute de financement, parfois, en tout cas, il y a des contraintes qui ont fait que jusqu'à là, les deux ne sont pas finis. Mm-hmm. Et donc, une fois, si on a pu finir le complexe de Mandalia, peut-être qu'on trouve une partie des solutions, parce que ce n'est pas seulement le problème, le complexe de Mandalia qui va alimenter tous les pays, mais il y a d'autres aussi études de faisabilité qui sont là, parce qu'il y a des zones de concentration qui sont là. Si on peut parler, par exemple, dans la province du Bata, dans la province du Wadaï et autres, nous avons un important cheptel. Et puis si on trouve, par exemple, d'autres complexes laitiers qui sont là, et donc on va essayer de trouver la solution à ces problèmes de lait. Mais il y a aussi la partie filière viande qui est aussi là. Oui. Et donc là, nous avons les deux complexes, en plus de celui de l'abattoir frigorifique de Farsha. Mais maintenant, ceux-là sont, par exemple, entrés dans l'accord entre le Tchad et Ariz, qui ont créé l'AMTCHAD. L'AMTCHAD, c'est une société tchadienne, okay. Et qui a la participation de Ariz qui va jusqu'à 65% et le Tchad à 35%. Et donc, l'AMTCHAD va aussi essayer de travailler dans ce sens pour, par exemple, la modernisation de cette filière viande. Et ça va être fait normalement dans cette province. Okay. Dans cette province. Et donc, le projet a presque commencé parce qu'avec celui de Logone, ils vont commencer avec celui de Logone. Et une fois celui de Djarmaya a commencé en 2024, normalement c'est prévu en 2024, celui de Djarmaya soit fonctionnel. Et ainsi de suite jusqu'en 2035 pour les 7 complexes d'abattoirs qui vont être logés dans les zones économiques spéciales. Monsieur le ministre, nous sommes à l'an 2 de la transition et beaucoup des activités ont été programmées, beaucoup des initiatives ont été initiées pour que aujourd'hui certains domaines prioritaires comme l'élevage puissent obtenir peut-être les moyens nécessaires pour leur décollage. Beaucoup de réalisations tout à l'heure. Oui, dans tous les cas, je sais que depuis que nous sommes arrivés, il y a un changement même sur le budget du ministère, parce que le budget du ministère en 2021, il était de 9 milliards. Okay. Mais lorsque nous sommes arrivés, avec le plaidoyer qu'on a eu à faire et autres, en 2022, c'est parti jusqu'à 21 milliards et 9, jusqu'à presque 22. Et en 2023 aussi, nous sommes à 21 milliards. Donc, il y a eu augmentation de ce côté. En dehors de ça, il y a eu aussi la contribution du président de la République même, parce que lorsque moi je suis arrivé, j'ai demandé, j'ai vu par exemple l'arrêt de 2 complexes. Ok. Et donc c'est des milliards qui sont partis dans ces complexes-là, c'est arrêté comme ça, on ne profite pas de ça. Je suis parti vers le président de la République, je lui ai posé le problème. Il a rapidement, comme on travaille avec le partenaire, la BDAC, il a activé les choses et rapidement comme ça, on a eu par exemple pour les deux au départ, un financement de 2 milliards pour chaque complexe. Okay. Et puis après, vers le mois de juillet 2022, il y a eu un autre financement pour le complexe de Djarmaya de 7 milliards. D'accord. Et donc ça aussi, ça entre dans les promesses qui ont été faites, mais quand même c'est réalisé. En tout cas, les 7 milliards sont là, mais sauf que pour le complexe de Djarmaya, nous sommes bloqués par le bureau de contrôle. Parce que sans bureau de contrôle, l'entreprise ne peut pas faire de travaux. Et puis après, quand le bureau vient, il y aura un problème. Et ça, par exemple, c'est un problème qu'on est en train de régler ici, parce que c'est un contrat qu'il faut signer et le contrat est en cours de signature.
Monsieur le ministre, vous avez des belles avenirs, vous avez des perspectives d'avenir dans le domaine de l'élevage, mais est-ce que la qualité des animaux, par exemple pour les vaches, est-ce que si on crée des complexes dans le domaine de lait, est-ce que nos vaches sont à mesure de fournir la quantité nécessaire pour permettre de tourner l'entreprise? Que ce soit dans le complexe laitier ou bien dans le complexe des abattoirs, il y a par exemple, c'est pas le, il y a des choses qui suivent en tout cas. Okay. C'est-à-dire que pour par exemple le complexe laitier, il faut avoir par exemple des vaches qui vont donner plus de lait. Oui. Par exemple dans les normalement le complexe qui est ici, s'il est fini, donc il va avoir une capacité qui va entre 20 000 et 50 000 litres par jour. Donc ça, il y a un travail qui serait derrière, parce que nos vaches ici ne donnent que 1-2 litres ou trop. Oui. Mais quand même, pour ça, il faut avoir d'autres croisements pour, par exemple, augmenter la capacité de lait de vaches. Donc ça va avec. Même pour le complexe, même d'abattoir, c'est-à-dire qu'il y a des zones de quarantaine qui sont là, il faut engraisser les vaches, ainsi de suite, avant de les abattre. Donc il y a tout ça là qui est là. Donc il y a un travail qui va se faire en amont pour que qu'on arrive à la transformation finale. Monsieur le ministre, ça c'est des démarches techniques très importantes que vous venez d'expliquer. Les usines sont déjà implantées. Est-ce qu'on n'est pas en retard à cela? Non, on est en retard, d'accord, mais quand même on peut remonter ce retard-là. Parce qu'il y a eu des priorités avant, ailleurs un peu, mais maintenant nous sommes concentrés sur ce travail-là, on peut arriver, il n'y a pas de problème pour ça. Aujourd'hui, est-ce que le Tchad dispose des techniciens qualifiés dans le domaine de l'élevage pour vraiment s'occuper de ces usines dont le gouvernement a déjà investi beaucoup d'argent? Et pourquoi aujourd'hui on continue par exporter nos bétails sur pied? Oui, en tout cas, en ce qui concerne les cadres, il y en a. Le ministère a des cadres, mais un nombre insuffisant. Parce que je vais te dire quelque chose, ça devient monotone, je le dis souvent. Les agents du ministère de l'élevage sont autour de 840 personnes. Tout confondu, hein. Y compris les chauffeurs, les gardiens, autres, tout confondu, 840. Avec le dernier même... La dernière intégration, c'est la même chose. Et donc, c'est ça le problème. Donc, on a toujours demandé, et puis on nous a donné un peu, mais on va toujours demander pour qu'on augmente le nombre, là, parce que on va vers l'industrialisation, et on ne peut pas le faire sans, par exemple, sans les techniciens d'élevage. Mm-hmm. Si je parle des centres de quarantaine, ou bien, comment on appelle, les fermes, où on va essayer de faire le croisement et autres, pour améliorer la race, et donc ça a besoin de techniciens de l'élevage. Mais nous avons des techniciens de capacité, mais nous avons ils sont trop peu. Le personnel, il est vieillissant. C'est des gens qui ont des compétences, mais ils sont plus âgés, donc on veut assurer la relève. Et dans ce sens-là que nous sommes en train toujours de plaider, on va essayer de plaider pour trouver le nombre souhaité. Et dans ça même, hein, je vais te dire quelque chose, le ministère de l'élevage, en tout, les agents sont... Si je peux dire mal payés. En tout cas, ils sont mal payés. Le problème de rémunération. Les rémunérations, parce que je l'ai dit souvent, comme on parle de la santé toujours, ici, santé humaine, santé animale. Et donc, par exemple, à diplôme égal, un agent qui est au ministère de la Santé, il gagne trois fois celui que celui de l'élevage gagne. Ah, d'accord. Ouais. Donc, ça, moi, je l'ai dit souvent, hein. Je n'ai pas peur de le dire, je l'ai dit, je le répète toujours, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Parce que. C'est une personne qui n'est pas bien rémunérée, oui, ne fait pas ça, un travail problème, de qualité. Et puis, il y a beaucoup de risques. Nous avons plus de risques ici. Hein. Par exemple, les agents de lavage, ils travaillent en brousse. Oui. Il y a les risques peut-être de rencontrer les animaux féroces, les reptiles, les animaux même, en tout cas, les bœufs ou autres, ils peuvent s'abattre quelqu'un. En tout cas, il y a toujours des risques. C'est un métier à risque. Et puis, nous, on va toujours plaider pour que leurs conditions de vie de travail s'améliorent. Aujourd'hui, on parle trop de contribution de l'élevage dans l'économie. Oui. Alors, sur le plan social, comment vous sentez les retombées, par exemple, au niveau de la population? Bon, ça dépend en tout cas des lieux. Hein. Mais peut-être que c'est le moment, il n'est pas bien indiqué, parce que nous sommes au mois de Ramadan. C'est le seul mois où, par exemple, les gens trouvent que, par exemple, la viande devient trop chère. Mm-hmm. C'est ça le problème. Donc, ça coïncide avec le mois de Ramadan. Mais sinon, en tout cas, dans certaines localités, il n'y a pas de problème. Ou là où il n'y a pas beaucoup de population et puis il n'y a pas beaucoup de besoins. Donc, le prix va être moins cher que celui où on a une importante population et puis le besoin, il est grand. Donc, c'est ça le problème. Mais quand même, en tout cas, ça contribue efficacement sur la subsistance et puis la lutte contre même la malnutrition. Ok. Là, ça, c'est clair. Alors, vous êtes à la tête de ce département, je crois, il y a cela depuis presque 2 ans.
Oui. Alors, quelles sont vos satisfactions dans ces domaines? Quels sont les investissements, les appuis nécessaires que vous avez reçus de la part du gouvernement et des partenaires? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, y a des appuis spéciaux du président de la République. Oui. Parce que moi, quand je vois quelque chose, puis je pose des problèmes. Je suis parti poser deux problèmes. Et vous avez eu satisfaction? Oui, alhamdoulilah, j'ai eu satisfaction. Le premier, c'est lorsque il y a eu la crise alimentaire oui. de l'année dernière. Donc, il y a eu cette crise, et au moment où on parle de la crise, les gens, c'est-à-dire même les partenaires, ils s'intéressent seulement à la partie humaine, c'est oui. normal. Et donc, la partie élevage, il y a un problème. Parce que si il n'y a pas oublié. Eu... Ouais, oublié, peut-être que les gens s'intéressent à la partie humaine, parce que c'est très important et autres, mais quand même, les partenaires n'ont pas voulu nous aider. Et il y a eu une situation grave. Lorsque je suis parti vers le président de la République, je lui ai posé le problème, comme lui aussi il a des notions. Et donc, nous, on a fait une réponse à une crise générale, y compris les petits ruminants, les dromadaires et autres. Tu vois ce qu'il m'a dit, hein, parce que je sais qu'il s'intéresse aussi à l'élevage. Il a dit les dromadaires ou bien les camélins, les petits ruminants, ils peuvent résister parce qu'ils peuvent manger même... sur les arbres et autres, mais le bœuf, il y a un problème. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'il a débloqué 1,6 milliard pour l'alimentation, par exemple, des zones les plus touchées. Parce okay. qu'il y a eu au total 10 provinces qui sont touchées, mais quand même, les plus touchées sont 4 seulement. Okay. C'est-à-dire, il y a le Kanem, le Barazal, le Hadjer Lamis et le Bada. Okay. Ça, c'est le plus touché, selon nos représentants au niveau de ces provinces. D'accord. Et donc, dans ça, on a pu apporter ce soutien-là. Ça a été très, très bénéfique pour la population et elle a très bien apprécié. Nous avons encore plaidé pour les autres et puis il nous a débloqué encore 800 millions. Mais quand même, c'est à l'approche de la saison de pluie. Surtout la saison de pluie est arrivée et puis donc on a transformé ça en médicaments. Okay. Et donc, on a donné maintenant à toutes les 10 provinces, même celles qui sont... celles qui ne sont pas tellement touchées, il y a les Wada, il y a les Wadi Fira, il y a les Nedi Est, il y a les Nedi Ouest, il y a le Borkou, il y a les Tibesti aussi dedans. Okay, okay. Donc on a donné ces médicaments-là, même si c'est avec retard, en tout cas, ça a donné aussi sa contribution. Mais maintenant, la deuxième contribution, parce que le ministère de l'élevage n'a pas de moyens roulants. Ah, il n'y a pas de moyens roulants, je suis parti aussi plaider. C'est un ministère qui demande beaucoup les terrains. Oui, oui, il y a le terrain, parce que peut-être que moi, j'ai dit clairement qu'il y a deux véhicules AP, et c'est ceux qui sont à ma disposition en ce moment. Ah, d'accord. C'est ça. Et donc, comme ça, il nous a donné aussi l'occasion d'acheter 28 véhicules. Et donc, les véhicules sont commandés, et puis il reste que le fournisseur nous les fournisse, et puis on va les réceptionner. Ça, c'est ce que le président de la République nous a fait lui-même. Maintenant... Même si ce n'est pas directement l'État, les partenaires aussi nous ont. Parce que le PRAPS, parce qu'il y a la phase 1, mais la phase 2, le PRAPS est en train de financer le projet jusqu'à une hauteur de 100 millions de dollars. D'accord. À peu près 60 milliards de francs CFA. Et donc, le projet, normalement, il devrait commencer en 2022. Nous avons fait le tour du Tchad pour faire le lancement technique. Et maintenant, nous sommes dans la phase, par exemple, de vaccination de bétail pour le moment. Et donc, le projet aussi a commencé. Il y a beaucoup de relations, hein. Il y aura beaucoup de raisons pour le PRAPS. Parce que le PRAPS va intervenir dans le domaine de la santé animale, en ce qui concerne la vaccination, le médicament et autres, c'est-à-dire que la sensibilisation pour l'achat du vrai médicament, ainsi de suite. Il y a aussi la sécurisation foncière qui va travailler dans ça. Il y a la prévention des gestions de conflits. Oui, des gestions de conflits. Il y a l'amélioration de la transmission. Transfrontalière, c'est-à-dire en tout cas contribution sur le couloir de transhumance. Oui. Et puis on a l'accès au cheptel dans les ressources aussi. Ça aussi, on va essayer de travailler dans ça parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Maintenant, le PRAPS intervient dans le domaine du fourrage aussi. C'est-à-dire que. Faire du fourrage pour que ça ne soit pas. Non, ce n'est pas le fourrage seulement, du fourrage. Ah, ok, fourrage. Oui. Ouais, oui, du fourrage. Donc il y a ça aussi qui est nouveau. Et donc après. Si on ne le souhaite pas, s'il y a une crise pastorale, le PRAPS va toujours intervenir. Et puis, il y a aussi la construction des infrastructures marchandes. Et le PRAPS, maintenant, ils ont vu que dans la première phase, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont bénéficié de ce projet. Donc, maintenant, il faut associer les femmes. Maintenant, non, il y a 30%, obligatoirement, 30% des femmes seront prises en compte. Et puis, les jeunes aussi, il faut les prendre en compte. Donc, ça, c'est ce qui est nouveau dans le PRAPS.
Et c'est quelque chose qui est lancé et nous sommes en train de travailler. Il y a aussi le pasteur aussi qui a travaillé dans le même sens. Oui. Mais eux, par exemple, ils ont travaillé dans le domaine des points d'eau, les stations postales et puis ainsi de suite, le couloir de transhumance et, ainsi, et puis après, il y a les aires de stationnement, il y a les magasins de stockage et puis le PRAPS, le pasteur a quand même travaillé sur les écoles pilotes en milieu rural. Ah bon? Donc, oui. Et oui, toute cette expérience-là, on a fait une rencontre avec le ministère de l'Éducation pour leur donner ce qu'on a eu à faire s'ils peuvent compléter. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez des paquets d'activités qui ont été réalisées. Un facteur assez important dans le domaine de l'élevage, par exemple la lutte contre le changement climatique. Le changement climatique est un facteur très négatif et qui est même conflit entre agriculteurs et éleveurs. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des dispositions pour un peu contrecarrer ce qui est fait et ce que vous voulez faire dans l'avenir pour mieux gérer ça. Le problème, c'est que... Le problème conflit agriculteur et éleveur, moi, dès que j'ai pris les rênes de ce ministère, la première chose que j'ai fait, moi, j'ai sillonné les pays. Mm-hmm. J'ai fait presque tous les pays. Et dans mon intervention, je me suis, en tout cas, focalisé sur le problème de gestion du conflit. Oui. Parce que c'est quelque chose qui est très, très déplorable maintenant. Avant, le conflit existe et puis on les... C'est à une petite échelle. C'était dans le village seulement, on résout et puis le problème, c'est tout. Et maintenant, dès qu'il y a un conflit, c'est-à-dire que... C'est une contamination. Contamination et puis ça finit par mort d'homme. C'est ça qui est mauvais. Or, si par exemple on pose le problème, il n'y aura même pas de bagarre. Mais on arrive jusqu'au mort d'homme. C'est ma sensibilisation. Je crois que c'est manque de dialogue. Le manque de dialogue, ça c'est clair. Mais je ne sais pas, peut-être le manque de dialogue, peut-être parfois... des frustrations sur ce qu'on a trouvé, parce qu'on a recensé tout là avant. Donc, parfois, le problème même, c'est-à-dire que ceux qui ont la charge de juger le problème, ils les jugent mal oui. Donc, comme ça crée des frustrations, et les gens sont restés, ils cherchent seulement l'occasion pour rentrer dedans. Il y a des parties prises. Oui, c'est ça le problème, il y a les parties prises et autres, et c'est pour cela que moi j'ai dit, dans ce problème-là, il faut que les gens soient justes, c'est tout. Si moi je suis éleveur, j'ai tort, moi qui suis en train de régler le problème, j'ai dit à mon frère éleveur, là, non, ce que tu as fait n'est pas normal. Si je suis agriculteur, je fais la même chose, je dis la vérité. Sinon, c'est un problème très, très simple qu'on peut résoudre. Et moi, comme c'est un problème qui me touche à cœur, même le jour de la conférence du gouverneur, lorsqu'on m'a demandé d'intervenir, moi je suis intervenu dans ce sens. Parce que c'est le seul problème qui est en train de bloquer tout ce qu'on est en train de faire. Les agriculteurs accusent beaucoup les administrateurs d'avoir détenu des troupeaux et puis armé les gens et que c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de tout ce qui se passe dans leur milieu. Oui. Le problème, il est à ce niveau-là. On dit par exemple administrateur, on dit militaire. Les gens ne veulent pas dire exactement, parce que moi je l'ai dit à Gounouré la fois dernière lorsqu'on est parti, et puis il y a eu l'occasion de travailler avec les autorités administratives et militaires. Quand les gens te disent que dans leur jargon, là, il y a des nouveaux éleveurs et ainsi de suite, on touche directement les administrateurs et les militaires oui. qui font l'agriculture. Mais les gens ne veulent pas le dire. Okay. Parce que moi je suis par exemple commandant de brigade. J'ai de troupeaux. Et puis, un éleveur vient, je juge le problème. Dès qu'un éleveur, un agriculteur vient et il sait que moi je suis éleveur, c'est qu'il a des réticences, ça c'est clair. Oui. Il a des réticences, il va dire dans sa tête, même si c'est bien jugé là, il va dire que non, il est en train de arranger de ce côté. Parce qu'il est aussi éleveur et ainsi de suite. Et c'est ça le problème. Et c'est comme ça que moi j'étais très, très impressionné lorsque la conférence du gouverneur a commencé. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a posé certaines questions. Est-ce qu'un administrateur peut être commerçant? J'ai dit non. Agriculteur, non. Éleveur, non. Et les militaires aussi, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas être commerçants, éleveurs, ainsi de suite. D'accord. Donc, pour cela, s'ils ne sont pas dans ce domaine, le problème va s'arrêter. Alors, et pour ça, même le Premier ministre nous a instruit de réfléchir pour arriver à un jour faire, dans un bref délai, faire une autre rencontre spéciale pour la gestion du conflit éleveur-agriculteur. Monsieur le ministre, nous tenons vers la fin de notre programme d'aujourd'hui, de ce plateau. Alors, quel est le mot de fin que vous pouvez adresser à ceux qui vous suivent dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des réalisations de l'an 2 de la transition? Oui, bon, merci beaucoup encore. Bon, en tout cas, en ce qui concerne l'élevage,
Il y a beaucoup d'opportunités au niveau du ministère de l'élevage. Et les gens ne les exploitent pas. On peut faire encore plus. Et nous sommes derrière ça. Pour ça, je veux dire que nous sommes en train de réfléchir. Après ce mois de Ramadan, on va essayer de faire une retraite au niveau du ministère. Tous les cadres du ministère de l'élevage et ceux qui sont en dehors du ministère et peuvent apporter leur contribution, on va essayer de nous retirer pour travailler pendant 2, 3, 4 jours, pour travailler exactement comment faire pour, par exemple, valoriser, bénéficier la population de ces secteurs-là. Okay. Et donc ça, on va essayer de le faire. Mais ce qui est là, on ne peut pas développer ces secteurs tant que les privés ne s'intéressent pas. Okay. Il faut que nos partenaires privés, mm-hmm. les Tchadiens, je parle, oui. nos commerçants tchadiens, s'ils s'impliquent, on va trouver des solutions. Parce que pour faire des fermes, pour faire, par exemple, pour les fermes, pour l'alimentation des bétails et mm-hmm. autres, là, parce qu'il y a des besoins. Oui. Donc pour ça, il faut que le commerçant ou nos commerçants s'intéressent à ça, ils viennent s'impliquer dans ça, et puis on peut arriver. D'accord. Maintenant, pour le problème de conflit éleveurs agriculteurs, nous prions Dieu et nous allons faire de toutes nos capacités pour que ce problème-là va s'arrêter, Inch'Allah. Maintenant, la population, c'est que les réactions sont visibles. Depuis D'accord. que la transition a commencé, les réactions sont visibles. Ceux qui ne veulent pas voir, ça c'est autre chose. Tout Tchadien honnête, c'est que il y a un changement, même si ce n'est pas un changement dans le vrai sens, mais un changement dans le but de la refondation, il est là. D'accord. Ouais. Merci, chers téléspectateurs. Nous venons d'échanger avec le ministre de l'élevage et de la production animale sur les réalisations de l'an 2 de la transition et les perspectives d'avenir du secteur de croissance qui est l'élevage. Merci, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Restez en compagnie des programmes de la télévision nationale tchadienne.